Prêt? Ah Je t'ai eu, hein? On me parlait de Vaillant, mes copains à l'école me parlaient de Vaillant. Je connaissais pas du tout, jusqu'au jour, parce que je n'avais pas le pognon pour m'acheter chaque semaine un exemplaire de Vaillant. Et un jour, j'ai eu entre les mains, probablement un copain me l'a prêté, un album relié de Vaillant. Le journal, je l'aimais bien. Et d'ailleurs, j'en connaissais pas beaucoup d'autres. Hein. Je connaissais bien Vaillant, et les autres, je les connaissais que sous forme d'albums reliés. Bon, c'est vrai que j'aimais beaucoup les trucs américains comme Robinson, Hopla, et même certains journaux français comme OK, dans lequel j'ai découvert un certain monsieur Al Uderzo. Vaillant avait une réputation culturelle presque. Sur le plan politique, je n'ai appris que beaucoup plus tard les liaisons entre Vaillant et le Parti communiste et tout ça. Ça me passait. Un ami qui n'était autre que le frère de Jean Tabary et qui s'appelait Pierre Tabary, est venu me voir. Il venait me voir à la maison et même un jour, il est venu avec son chien qui a vomi dans mon atelier. C'est authentique, mais il a tout bien nettoyé. Son maître. Je cherchais du boulot. Il m'a dit, je crois qu'à Vaillant, à l'époque ça s'appelait Vaillant, il cherche des pages comiques. Tu devrais prendre rendez-vous. De nous-mêmes, on a estimé, on a lancé des perches comme ça, on a cherché des dessinateurs, des jeunes qui démarraient, qui avaient des idées différentes, quoi. Gottlieb, quand il est arrivé, je l'ai rencontré dans le couloir. Il était un peu timide. Et il m'a posé la question de savoir comment ils étaient, les gens de Vaillant. Je lui ai dit, ils sont normaux. Si ce que vous amenez peut les intéresser, je pense qu'ils ne seront pas hostiles. Les prétendants n'étaient pas fréquents, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient, en quelque sorte, se confronter à la difficulté qui consiste à trouver des gags sans arrêt. Il avait un petit peu entrouvert son carton en me disant « Ah oui, j'ai aussi l'idée d'un chien ». Alors je lui dis « Oui, mais un chien, le problème, c'est qu'ils en ont déjà un ». Et j'ai eu un rendez-vous avec l'un des types qui s'occupait de la rédaction et qui s'appelait Sanitas, Jean Sanitas. Il est venu à Vaillant se présenter. Alors il est venu avec une série de dessins. J'ai trouvé pas trop mal. Et puis voilà, c'est moi qui l'ai fait rentrer à Vaillant, Gottlieb. Ouais, avec lequel j'ai eu d'ailleurs d'excellentes relations. Alors moi qui fais des choses à hurler de rire à l'époque, je me suis présenté avec des travaux qui en fait étaient des catalogues, des trucs pour enfants, des albums à colorier, pas du tout de BD. C'était en juin 62. Alors comme le coup classique, il m'a dit laissez tout ça, on vous appellera. Je suis parti, on s'est marié, je me suis marié, ma femme aussi, et il se trouve qu'on s'est marié ensemble. À mon retour début août, j'y vais, je retombe sur le même gars qui me dit « Mais où est-ce que vous étiez passé? Ça fait un mois qu'on essaye de vous joindre. » Et en fait, ce que je faisais, ce que je leur avais montré comme référence, les intéressait, et voilà. Avec Gottlieb, qui a d'abord fait des petites bricoles humo. C'est eux qui m'ont demandé de faire les aventures d'un petit garçon et d'un petit renard.
Il a fait, à ma demande d'ailleurs, une série qui s'est appelée Nanar et Jujube, qui a eu d'ailleurs pas mal de succès. Et j'étais très étonné parce qu'il y avait déjà un renard dans le journal. Placé des museaux, un renard et un ours. Mais enfin, j'ai pas voulu insister. J'ai dit, ils veulent un renard, je leur fais un renard. J'avais besoin de travailler. Et donc j'ai fait un renard. Et ensuite, petit à petit, dans la série Nanar et Jujube, il y a sa fiancée qui est apparue. C'était Piette. Voilà Piette, la petite fille qui, à qui Nanar montrait sa quéquette, comme tous les enfants. C'était une grande joie quand ils m'ont demandé de faire une couverture, malgré qu'à l'époque, j'ai jamais été un crack de la couleur. Donc ça, c'est tout de la gouache. Alors que maintenant, tout le monde travaille aux encres, aux écolines, etc. Et bon, ça, c'était un spécial Noël. Mandrika est arrivé, le concombre masqué est arrivé, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Alors on se rencontrait d'abord au bistrot à côté, puis on discutait, on s'apercevait qu'on avait les mêmes goûts, on aimait tous les deux Tex Avery, les dessins animés de Tex Avery, qu'on aimait tous les deux Mad Magazine, et qu'on avait envie de faire des BD comme eux. Et on est devenus assez copains, on se fréquentait, et on s'est suivis, mais alors, pendant des années. Donc oui, je les ai vus arriver. Ça m'a semblé tout à fait, ils m'ont semblé tout à fait évident tout de suite, aussi bien l'un que l'autre. Il faut reconnaître que Mandrika avait un esprit beaucoup plus surréaliste, entre guillemets, que moi. Moi, j'avais une éducation de bande dessinée classique. Il faisait ce qu'il pensait qu'il fallait faire. Donc des héros sages, entre Nana, Jujube, la machin, la petite fille, le petit garçon, tout à fait classique, quoi. Et puis, il s'est aperçu qu'on pouvait faire autrement et qu'il avait envie de faire autrement. Et donc... Nana, Jujube et Piette, bon... c'était sympa, quoi. C'était bon, mais c'était pas vraiment révolutionnaire. Je trouve qu'il était un petit peu décalé, mais qu'il n'allait pas aussi loin qu'il avait envie d'aller. Mais on s'est encouragés tous les deux, moi aussi. Moi, il m'a encouragé à aller dans ce sens. Et un beau jour, pour l'occasion d'un gag, j'ai eu besoin d'un chien qui était un peu débile, un peu endormi. Et j'ai fait ce chien que j'ai appelé tout de suite Guéluron, parce qu'il avait tout sauf une allure de Guéluron. Nanar, Jujube et Piette.